Ça, c'est du bois, c'est naturel. Ça, c'est bio. Ce café est équitable. Moi, je m'y perds dans toutes ces appellations. Comment savoir si un produit est social et solidaire? Je suis en duplex post-café avec Gilbert Couden et lui, il saura. Savoir qu'un produit fait partie, avant consommation, du mouvement social et solidaire, il faut d'abord s'arrêter 2 minutes. On n'est pas sur la consommation, encore une fois, à outrance, avec un zapping permanent de consommer pour consommer. On peut des fois s'arrêter, se poser, vérifier la provenance du produit, vérifier l'entreprise sous quel mode de gouvernance même elle peut exister. Parfois, j'ai pas le temps de faire ça, mais il n'y a pas un moyen plus rapide? Pour aider le consommateur, il y a des labels qui existent, notamment à Lyon, avec le label Lyon, ville équitable et durable. Pour obtenir ce label, effectivement, il faut répondre à toute une série de critères. Ces critères qui sont liés au développement durable, qui sont liés à la gouvernance de l'entreprise, qui sont liés au produit lui-même et à la qualité du produit. Et ensuite, lorsque tous les paramètres sont reconnus, à ce moment-là, l'entreprise reçoit le label ou le produit reçoit le label. Et concrètement, dans quel domaine je peux trouver ce label ? Du tourisme à la finance, ça passe par l'alimentation, le transport, on trouve l'environnement, le logement aussi, en économie sociale et solidaire. Vous avez la santé, évidemment, avec les mutuelles, mais également l'énergie. Et puis nous, on appartient au monde de la culture, au sens large du terme. Cette économie sociale et solidaire dont je viens de parler se retrouve partout. Ça ne se sait pas suffisamment, mais évidemment, on compte sur des personnes comme toi pour le faire savoir auprès du grand public. Merci Gilbert, je ferai de mon mieux. Moi aussi, je compte sur vous pour partager mon journal.